Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes à Info de Babi. Je suis Suite Kelly, directrice de votre page préférée. Alors, aujourd'hui, nous allons nous promener un peu pour voir la réaction de chacun et de chacune de vous, voir quelles seraient les statistiques par rapport à la polygamie qui est en cours. Allez, on y va, c'est parti! Alors, nous avons trouvé, il y a un jeune par là. Oui, monsieur, votre nom? Madame, moi, je m'appelle Nyamien Thierry. D'accord, Nyamien Thierry. Nous avons entendu parler de l'histoire de polygamie que l'on veut installer ici en Côte d'Ivoire. Alors, votre réaction par rapport à ça, vous êtes pour ou vous êtes contre? Bon, moi, je peux dire que je suis pour. Hein? Vous êtes pour, pourquoi? Je suis pour. Pourquoi? Parce que quoi, la polygamie, en tant qu'un homme, une fois que tu viens sur la terre, l'homme n'est pas destiné à avoir une seule femme. Ah la, bon? Oui, non, l'homme n'est pas destiné à avoir une seule femme. Un homme faut avoir plusieurs femmes pour que non, l'homme, la femme qui est devant toi te considère que non, ah, lui c'est un dangereux garçon. Donc c'est parce que on doit être dangereux, on doit être fort qu'il faut avoir plusieurs femmes, n'est-ce pas? Oui, oui. Selon il faut, vous, hein? Un homme qui est fort, il faut avoir plusieurs femmes pour te dire que non, ah, toi tu es fort. Oui, d'accord. Monsieur, il faut être fort pour avoir plusieurs femmes. Si toi, tu as une seule femme dans la vie, c'est que toi tu es un fainéant. Tu ne vaux rien de la vie. Merci, monsieur. Alors, merci, c'était... Moi, je crois que non, c'est encore... Il faut poser des questions, moi, je vais répondre. C'est juste pour la polygamie. Alors, merci beaucoup. Vous préférez qu'on ait plusieurs... Il faut avoir plusieurs femmes. D'accord. Pour être fort. Merci beaucoup. Info des babés.com